Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va vous expliquer aujourd'hui quels sont les différents types de phrases. Commençons tout d'abord par une précision. Attention à ne pas confondre le type de phrase et la forme de phrase. Nous allons parler aujourd'hui des types de phrases. Ces types de phrases sont au nombre 4. Il existe des phrases de type déclarative, des types de phrases interrogatives, des phrases injonctives et enfin des phrases de type exclamative. Commençons par la phrase déclarative. Elle se termine par un point. Elle comporte au moins un verbe conjugué. Elle sert à donner une information, à apporter des précisions, à affirmer un fait, comme on voit dans l'exemple suivant, « Je n'aime pas le melon » ou encore « Je préfère les pastèques ». La caractéristique la plus évidente de la phrase interrogative est de se terminer bien sûr par un point d'interrogation. La phrase interrogative sert à poser une question. Vous avez entendu des nouvelles ou encore à la forme négative. Ne peux-tu pas marcher plus vite? Passons maintenant à la phrase injonctive, que l'on peut appeler également phrase impérative. Sa caractéristique est de comporter un verbe conjugué à l'impératif, ou au subjonctif, ou à l'infinitif. La phrase injonctive sert à donner un conseil ou un ordre. Fais attention est un exemple de phrase injonctive avec un verbe à l'impératif. Qu'il se taise comporte ici un verbe au subjonctif. Enfin, dans la formule « ne pas cueillir les fleurs », il s'agit d'une phrase injonctive avec un verbe à l'infinitif. Nous avons gardé pour la fin la phrase exclamative qui est de type un peu particulier. Elle se termine effectivement par un point d'exclamation et elle va exprimer un sentiment, comme la joie, la tristesse ou la colère. Mais ce type de phrase peut se combiner avec les trois autres types de phrases. On pourra avoir une phrase de type déclaratif affirmatif, tu as déjà fini, de type interrogatif exclamatif, es-tu bête, ou encore de type injonctif exclamatif, tais-toi. Ce qu'il faut donc retenir à propos des types de phrases, c'est qu'ils sont au nombre de 4 et qu'on a une phrase déclarative, la phrase interrogative, la phrase injonctive et la phrase exclamative. Et voilà,